Frères et sœurs, bonjour et bon sabbat à tous. Est-ce que vous allez bien en ce beau sabbat matin? Oui. Ben merci Seigneur, hein, il nous a bénis durant toute cette semaine et nous sommes là pour le louer, pour le glorifier. Donc nous aimerions tous vous souhaiter une cordiale bienvenue dans sa maison et que tous ensemble nous puissions le louer et nous puissions nous encourager mutuellement autour de sa parole. Voilà. Bienvenue à tous et un verset pour chacun d'entre nous qui se trouve dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Voilà. 2 Pierre chapitre 3 verset 9 qui dit « Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse. Pourtant, certains disent qu'il est en retard. En fait, il est patient avec vous. Il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. » Itreot heiti, irava eiva, aurete fatu if arwaroa itanai praumeira, maitatet heipe i praurae, if arwaroa, if aurum eirheira, tunaya tatou. Eitaroa e hin aro e ya poheatu te hoi, ya noa patuara te tatrahapa. À présent, pour ceux qui le peuvent, mettons-nous à genoux. Notre Dieu, mon Dieu, nous voici à genoux devant toi afin d'implorer ton Saint-Esprit. Père éternel, merci pour ta lecture. Merci car depuis ce matin, tu nous as nourris de tes paroles. Père, merci d'avoir assemblé tes enfants dans ta maison pour te louer, t'adorer et aussi pour nous encourager mutuellement entre frères et sœurs. Père éternel, à genoux, nous voulons également te demander pardon. Pardon si toutefois nous t'avons offensé. Père, durant cette semaine, nous t'avons négligé. Pardon si nous avons mal agi, mal parlé. Seigneur, pardonne-nous, pardonne toutes nos offenses, car nous ne sommes rien sans toi. Seigneur Jésus, ensemble, nous avons les genoux pliés. Parce que nous voulons que tu nous purifies, que tu intercèdes pour chacun de nous là où tu es. Aie pitié de nous. Aide-nous à avoir confiance en toi. Et aide-nous à étudier ta parole chaque instant de notre vie. Seigneur, nous mettons également entre tes mains nos enfants, nos jeunes, nos familles, nos personnes âgées et aussi ceux qui n'ont pas pu venir dans ta maison. Visite-les, visite-nous. Prépare nos cœurs à recevoir ta manne, la deuxième partie, qui est notre plat de résistance. Père éternel, merci encore d'intercéder pour chacun de nous. Et merci d'écouter cette prière qui s'élève vers toi et accepte-la comme un parfum de bonne odeur devant ton trône de grâce. C'est ma prière que nous voulons te laisser. Au nom de ton Fils Jésus qui revient très bientôt. Amen. Dieu nous a tellement bénis que maintenant nous sommes arrivés à offrir ce que Dieu nous a accordé durant toute cette semaine. Donc le plaisir de rendre et d'offrir ce qui appartient à notre Dieu. Pour cela, j'invite les Jacks à s'avancer dans les rangs et nous allons chanter « Eo Noyetu ».
Éternel, notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, nous voudrions te rendre gloire et te remercier, car tu as été bon envers chacun d'entre nous durant toute cette semaine. Nous te remercions pour la vie et pour la santé que tu nous donnes chaque jour. Père éternel, nous voici devant toi et nous voudrions te ramener de tout notre cœur nos offrandes, nos dîmes, afin que cela puisse servir à évangéliser dans nos îles, à faire des maisons de prière ici dans nos îles. Et Père Céleste, bénis tes serviteurs, bénis tes évangélistes, afin qu'ils puissent proclamer que ton retour est proche. Seigneur, nous voudrions te remettre toutes ces offrandes afin que tu puisses les bénir et que tu puisses bénir chacun d'entre nous ici présents. Et c'est en Jésus que nous voudrions te demander toutes ces grâces et que ta volonté soit faite. Amen. Alors j'invite la chorale des enfants à bien vouloir s'avancer et ils vont louer le Seigneur avec un chant. Et donc le verset se trouve dans Galates chapitre 5, versets 22 à 23. Donc le fruit de l'Esprit. Allez les enfants, venez. Alors les parents, est-ce que vous savez le fruit de l'Esprit? On va lire ensemble, c'est par cœur, hein? Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi, la tempérance. Voilà. Donc, c'est ce que les enfants vont interpréter à la gloire de notre Dieu. Amen pour les enfants. Non, pas de amen. Amen, hein? Voilà. Thank you.
de la tempérance. Pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, bon sabbat. Merci d'être venu pour écouter la parole. Un grand bonjour à notre frère, pasteur Didier. Si je pouvais ouvrir une petite anecdote sur notre frère. Didier est de Totira comme moi je suis de Totira. Mais à chaque fois qu'on a l'occasion de se rencontrer, c'est quand il y a des ma en Tahiti. C'est pour aider la paroisse protestante. Et une des premières fois où j'ai été marqué par Didier, c'est que je suis président d'une association de jeunes. À l'époque, il y avait la course Powerade, Chopo jusqu'à Totira ou sinon Totira Chopo. Et une année, on a demandé à mon association de jeunes de nettoyer le sentier pour cette course. Et là, quand on se retrouve en face d'un grand marais. Et Didier, il était assis sur un caillou. Et nous, on était là en train de nettoyer le marais. Et c'est là qu'il va commencer à parler. Il m'a dit, normalement les jeunes, vous ne pouvez pas venir aujourd'hui nettoyer le marais parce que regardez la lune. Il a dit, je vous donne un conseil. Lorsque vous allez rentrer à Tathai, vous allez à la plage, vous allez vous mettre à dos de la mer. Et vous allez reculer dans la mer. Et vous allez plonger dans la mer, comme ça les requins vont venir vont manger les esprits mauvais. Et quand on a entendu ça avec nos jeunes, on a eu peur. Et aujourd'hui, quand je vois Didier, il parle à moi. Ah là là, de croire à toutes ces choses. Mais on a eu peur, hein? Je peux vous dire. Hein? Plus jamais on a dit on va retourner devant un marais. Et voilà que Dieu fait bien les choses. Voilà, nous voici notre frère Didier, pasteur. Ce pauvre pécheur que je suis œuvre aussi pour Dieu. Et lorsque je pense à Didier, je pense forcément à Pasteur Marama. Hébreux chapitre 13, verset 7. Si nous avons nos Bibles, Hébreux chapitre 13, verset 7. Si vous êtes à la page, il est écrit au verset 7.
Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Vous savez, je ne sais pas pourquoi Pasteur Marama il a voulu venir dans mon foyer au Fénois et Chiré, à la campagne. On ne le connaissait pas. Il n'y avait que mon petit frère qui connaissait Pasteur Marama. Et je me rappelle, lorsqu'il est décédé avec frère Didier et puis d'autres frères, on a fait ce sermon. Devant le cercueil de Pasteur Marama, on s'est promis de continuer ce qu'il a fait. Mais Didier, c'est quelqu'un qui ne dit pas tout. Il nous a jamais dit qu'il allait partir à l'école pastorale. Et moi, j'étais encore invité à l'église de Mataya. Je vous racontais la première fois où Pasteur Marama est venu chez nous à la campagne. Il y a la table. Il y a la chaise. Pasteur se lève. Il va prêcher. Il va s'asseoir. Et la tête va tomber sur la table. Comme ça, à plusieurs reprises. Et vous connaissez sa fille Mariela? Parce que Mariela va l'accompagner. Mariela, elle va venir, elle va taper fort sur la table. Elle va dire, vous n'avez pas le droit d'abandonner. Mon papa, jusqu'à sa mort, est venu vous chercher. Et nous, on ne connaissait pas la Bible. Mais cette chose, ce souvenir est resté ancré dans ma mémoire. Et quand je vois Didier, je vois cette promesse que nous avons faite à l'Éternel devant son cercueil. On va continuer ce qu'il a commencé. Mais allons plus loin. Qu'en est-il de Jésus-Christ qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous? Ce matin, je vais vous parler de l'implication totale du membre. Je vais parler de mon service communautaire. Je peux vous dire que j'ai deux ministères pas faciles à gérer. Je ne vais pas vous cacher, à plusieurs reprises, j'ai voulu rendre mon tablier. C'est dur. En réalité, ce sont les membres qui sont durs. Quand on t'appelle et qu'on te dit du mal au téléphone. Quand on te critique, quand on murmure, mes chers frères et sœurs, j'aimerais vous céder ma place. J'étais bien là où j'étais. Mais je sais que si Dieu permet ça, s'il voit dans mon cœur qu'il y a beaucoup de choses encore à changer. Je nous invite, pour ceux qui le peuvent, à nous incliner. Ceux qui le peuvent, se mettre à genoux. Seigneur, notre Dieu, notre rocher, notre forteresse, notre soutien, Tomato papa, tomato paruru et tomato et
Il n'y a pas de Dieu comme toi. Aita tuya tua me yao. Un amour insondable. Ho e yarfua fait ureteru aite tua ta. Même l'éternité ne nous suffira pas pour comprendre ton amour envers ces pauvres pécheurs que nous sommes. En réalité, nous ne sommes pas dignes de se tenir devant toi. Mais tu nous dis dans ta parole que ce n'est pas nous qui t'avons choisi, c'est toi qui nous as choisi. En réalité, les anges peuvent terminer ton œuvre. Mais tu veux que ces pauvres pécheurs que nous sommes puissent participer activement. Et c'est ce que nous allons partager ce matin. Baptise-nous de ton Saint-Esprit. Enseigne-nous, corrige-nous, convainc-nous. Instruis-nous dans ta justice. Afin que nous soyons des hommes de Dieu accomplis et propres à toute bonne œuvre. Fais grâce. Fais miséricorde à ce peuple. Fais grâce à ces deux pécheurs que tu as suscités pour aujourd'hui. Qui vont proclamer ton message de ce matin. Accepte-nous tels que nous sommes. Mais purifie notre cœur. Ouvre nos yeux pour que nous puissions contempler les merveilles de ta loi. C'est la prière que nous voulons t'adresser en Jésus. Amen. Amen. Implication totale du membre, c'est un programme qui a été mis en place par la Conférence Générale depuis l'année dernière. Écoutez ce que l'Esprit de prophétie va dire. Le meilleur service que les prédicateurs puissent rendre à nos membres d'église n'est pas de prêcher. Mais de leur proposer des plans de travail. Que chacun ait donc quelque chose à faire pour le bien d'autrui. Que tous sachent que bénéficiant de la grâce du Seigneur, ils ont le devoir de travailler pour lui. Montrez-leur comment ils doivent s'y prendre pour réussir. Ceux qui sont nouvellement convertis ont tout particulièrement besoin d'apprendre à devenir ouvriers avec Dieu. Si celui qui est découragé se met au travail, il aura vite oublié son découragement. Lorsqu'on lit Marc chapitre 6, lorsque Jésus va susciter les 12 premiers disciples, il va les envoyer deux par deux. Lorsqu'on lit les écrits de Luc, il me semble que c'est Luc chapitre 10, il faut vérifier, lorsque Jésus va choisir les 70 disciples. Il va encore les envoyer deux par deux. Ça veut dire qu'entre les écrits de Marc et les écrits de Luc, il y a eu des nouveaux convertis. De 12, ils sont passés à 70. Est-ce que Jésus va dire à un des 12, toi tu restes là et les autres allez? Est-ce qu'il va dire à un des 70 ou à deux ou à trois, restez avec moi, les autres ils vont aller? C'est une leçon pour nous les nouveaux convertis.
C'est-à-dire que lorsque nous arrivons dans l'église, nous n'avons pas de temps à perdre. Il faut se joindre aux gens qui sont déjà dans le mouvement. Donc ce matin, je vais expliquer comment réaliser des plans de travail. Ici à la mission, c'est tout membre impliqué, c'est la même chose. Le monde doit être averti de l'imminence du retour du Seigneur. Il nous reste très peu de temps pour achever l'œuvre. Des années sont passées dans l'éternité. Elles auraient pu être consacrées à la recherche essentielle du royaume de Dieu et de sa justice. Et à la diffusion de la lumière qui est fondée dans la vérité. Et à qui une grande œuvre a été confiée de travailler à présent pour lui-même et pour les autres. Comme il ne l'a encore jamais fait auparavant. Exploiter chaque capacité. Mettez en œuvre chaque force, chaque talent. Utilisez toute la lumière que Dieu vous a donnée afin de faire du bien aux autres. N'essayez pas de devenir des prédicateurs, mais devenez les serviteurs de Dieu. En réalité, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans la parabole des talents, 5, 2 et 1. En réalité, chacun d'entre nous a au moins un talent. Et Dieu nous demande d'exploiter ce talent. Nous connaissons ce passage par cœur de Matthieu chapitre 20 verset 28. Matthieu chapitre 20 verset 28, il est écrit. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Est-ce que nous nous rappelons de l'école du sabbat de l'apôtre Pierre? C'était le deuxième trimestre. La leçon numéro 7, qu'est-ce qu'on va dire? Non seulement Dieu est à la recherche de leaders, mais de leaders qui sont serviteurs. Maintenant, je vais vous donner la parole. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Une statue, mamie. Merci. Les trois compagnons de Daniel. Ils sont debout. Les autres sont tous en train de se prosterner. Il y a quelqu'un aussi qui invite les trois à se prosterner. Il y a même des gardes, des soldats. Nous savons très bien ce que représente cette statue pour nous, l'Église adventiste. C'est cette loi du dimanche qui sera érigée pour tout le monde en entier. Mais je ne vais pas rentrer sur la loi du dimanche. Ce n'est pas là où je vais en venir. Là où je vais en venir, chers frères et sœurs, c'est que Daniel ne se trouve pas sur la photo. Pourquoi il n'est pas sur la photo? Daniel, c'était un leader.
Et les trois compagnons ont suivi le leader. Et à cet instant-là, ils n'avaient plus besoin de leur leader puisque eux-mêmes sont devenus des leaders. Est-ce que vous avez compris ce principe? Un leader forme d'autres leaders. Mais un leader ne peut pas rester leader sans serviteur, sans servir. On ne va pas regarder la vidéo de la conférence générale. Notre frère nous a dit tout à l'heure que vous avez déjà vu cette vidéo de la conférence générale de pasteur Ted Wilson. Mais on va retenir les points importants de cette vidéo. Chaque membre d'église peut faire quelque chose. C'est-à-dire selon la capacité que Dieu nous a donnée, selon le don que Dieu nous a donné, le talent. Nous devons être pleinement engagés dans la proclamation de ce dernier message provenant de Dieu. Que ce soit en parlant de la parole du Seigneur, qu'en vivant sa parole, en suivant l'exemple de Christ en toutes circonstances. En apportant aux autres un soutien physique, mental, social et spirituel. Vous savez, j'étais aux Marquises au mois de mars-avril. Écoutez ce que l'ancien maire de Hiva'oa va dire à l'inauguration de l'église adventiste. Les gens de ce monde en ont marre d'entendre parler de Jésus-Christ. C'est dur d'entendre ça. Mais écoutez la suite. Les gens du monde en ont marre d'entendre parler de Jésus-Christ, mais maintenant ils veulent voir Jésus-Christ. La question que je dois me poser, est-ce que dans mon foyer, mes enfants voient Jésus-Christ? Est-ce que dans mon quartier, le quartier voit en moi Jésus-Christ? Est-ce que sur mon lieu de travail, il voit Jésus-Christ? Parce que l'esprit de prophétie va dire l'argument le plus puissant de l'évangile. C'est un chrétien aimant et aimable. Marie, est-ce que vous êtes aimant et aimable avec vos femmes? Femme, est-ce que vous êtes aimant et aimante envers vos maris? Est-ce que vous aimez vos enfants comme Jésus-Christ aime vos enfants? Est-ce que vous aimez vos collègues de travail qui sont dans le péché? Parce que si vous les aimez, vous allez parler de l'amour de Christ. Si vous ne faites pas ça, c'est que vous n'aimez pas votre semblable. Écoutez ce que pasteur Ted Wilson va dire. Un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés est la tentative du diable de neutraliser notre mission. Notre effort, notre intérêt, parce que nous n'avons pas de relation avec notre Seigneur. Pasteur Ted Wilson va reconnaître que s'il y a un souci, c'est parce que moi, personnellement, je n'ai pas de relation intime avec Dieu. Et c'est un constat qu'on voit dans toutes les églises, puisque j'ai l'opportunité de fréquenter les églises de Polynésie maintenant. Je ne suis pas là pour juger, pour condamner, pour critiquer les églises. Et ça se voit.
À l'école du sabbat, on a qui vont arriver 45 minutes après ou juste au moment du culte. L'après-midi, il n'y a pas beaucoup de monde. Le mercredi soir, il ne faut même pas compter. En réalité, nous ne devons pas être des adventistes du septième jour, on doit être des adventistes tous les jours. Dans certaines églises, le mercredi soir, l'église est fermée parce qu'il n'y a personne. Je peux vous dire que je ne citais pas l'église dans une des églises où je suis allé. Neuf heures moins de quart, il n'y avait qu'un invité et moi en tant que prédicateur. Et c'est l'invité qui a ouvert l'église. 9h15, c'est là que les membres arrivent, mais en courant. On dresse la table. On met les bouquets. Et à 9h45, on commence les bienvenus, les louanges. Et j'ai commencé mon pourrir à midi et demi, on m'a dit, il faut que tu termines à 13h. Dans une autre église, le sabbat après-midi, pendant que le pasteur, je ne vais pas vous mentir, pendant que le pasteur parlait, il y avait des membres qui s'allongeaient sur le banc et qui ronflaient. Et je disais à l'ancien, vous ne faites rien. Et il a dit, si je gronde cette famille, ils sont nombreux, ils vont quitter l'église. Donc j'imagine comment Dieu doit souffrir. C'est parce que nous n'avons pas de relation intime avec Dieu, chers frères et sœurs. Si nous voulons former un caractère semblable à celui de Christ, nous devons participer à son œuvre. Lorsqu'on lit l'apôtre Paul, il va dire que lorsque nous contemplons la parole de Dieu, nous serons transformés à son image. Et là, il va dire, si nous participons à son œuvre, notre caractère aussi sera transformé. Je tiens à vous dire que le Seigneur a un travail pour chacun d'entre nous et que Dieu bénira notre travail, grand ou petit soit-il. Il y a un grand problème, c'est que beaucoup de nos membres se sous-estiment. Beaucoup de membres disent que je ne connais pas les prophéties de Daniel ni Apocalypse, donc je ne peux pas aller présenter l'évangile. Vous savez l'histoire des deux démoniaques, lorsqu'ils vont être guéris, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont vouloir suivre Jésus. Jésus va dire non, allez dans votre foyer et dites ce que Dieu a fait pour vous. En réalité, c'est mon témoignage qui va toucher les gens. Mais si nous n'avons pas de témoignage personnel, on n'aura rien à leur dire. Écoutez ce que Dieu va dire à Gédéon. Va avec la force que tu as. Lorsque j'étais invité à l'église de Mataya, je ne suivais pas les anciens d'église, les pasteurs d'église de Mataya. Tellement j'ai été touché par la parole de Dieu, je disais à mon ex-copine, viens, on va aller dans les foyers, on va chanter, on va lire la Bible.
Non, te meu puta puta, o teu orei de prevatia tua, na hora eu vou te roa, habitie, armei harta, tu dois fazer para parar de prevatia tua. Je n'ai pas attendu qu'on me dise quelque chose. Et c'est pour ça que maintenant que je suis baptisé, je n'ai pas besoin d'attendre qu'on me dise « va là-bas ». Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, des plans de travail pour chacun d'entre nous. Le facteur décisif est votre engagement envers le Seigneur tout en suivant personnellement la méthode du Christ. Jésus nous a laissé un mandat. Aller prêcher, enseigner et baptiser. Ce mandat est pour vous, pour moi, peu importe qui vous êtes. Mais je pense que là où la chose la plus importante, c'est quand il va dire, pourquoi ne pas vous agenouiller et dire. Jésus, je veux être un témoin actif en ton nom, avec toute l'Église, je veux me dévouer complètement à l'initiative, implication totale du monde. Lorsqu'on va partager ce plan de travail aujourd'hui, nous allons comprendre ce que Ellen White elle va dire. Sacrifier tout pour Dieu. Déposer tout sur son autel. Le moi, les possessions, offrez-vous vous-même comme un sacrifice vivant. Sacrifier tout pour Dieu, ça veut dire que votre temps ne vous appartient pas. Votre corps ne vous appartient pas. Votre talent ne vous appartient pas. Et en copie, notre argent ne nous appartient pas. Et c'est ce que Agé au chapitre 2, verset 8 va dire, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Je vous ai dit que l'année dernière, on a reçu 1 million de dons pour mon ministère d'une femme qui n'est pas adventiste. On a utilisé cet argent jusqu'à 300 000 et aujourd'hui on était à 900 et quelques mille, on a encore dépensé encore cet argent. Pour vous dire que ce ne sont pas des membres adventistes qui renflouent ce compte. Il y a des membres adventistes qui mettent, mais la majorité des sommes qui arrivent, ce sont des non-adventistes qui ont été touchés par la parole de Dieu. Lorsque j'étais invité, on a toujours dit que la mission n'aide pas les églises. Aujourd'hui, je peux vous dire que la mission est prête à aider les églises. Il y a une condition, faites votre part. Je sais que Dieu a beaucoup de cornets encore dans le monde. Et je sais que Dieu va susciter de l'argent pour ce ministère parce qu'il veut en faire la tête. Avec ou sans moi. Je peux vous dire que j'ai été honnête avec le président, je voulais lâcher le service communautaire pour me consacrer qu'à la santé. Cette demande a même été faite jusqu'à l'union, mais on ne peut pas. Je voulais confier ce travail à d'autres qui ont plus d'expérience que moi. Et c'est là que Dieu va me dire, tu oublies ce que j'ai dit à Gédéon?
Va avec la force que tu as. Tu as oublié la prière de Jabez, étant ses limites. Et il y a quelque temps, j'ai rencontré une femme non-adventiste qui est prête à donner des millions parce qu'elle vend ses terres. Qu'en est-il de nous à qui Dieu a béni richement? Qui avait un bon salaire? Qui avait des terres? Et que ces terres risquent d'être une pierre d'achoppement pour vous lorsque la loi du dimanche arrivera. Une grande crise attend le peuple de Dieu et l'humanité. Une grande crise attend le peuple de Dieu et l'humanité. Le plus grand conflit de tous les temps est sur le point d'éclater. Imposer l'observation du dimanche est devenu une importance nationale. Pour ceux qui comprennent l'anglais, il y a à peu près 3 semaines, le pape il a donné une allocution. Il va reprocher au président Trump des États-Unis de ne pas voter la loi du dimanche à cause des catastrophes naturelles. Vous savez que lorsque le peuple de Dieu sera accusé, c'est parce qu'il y aura ces catastrophes naturelles, et c'est là qu'ils vont dire qu'il y a un peuple qui n'adore pas Dieu le même jour que tout le monde. Mais c'est Dieu qui contrôle tout ça parce que la fille de Trump, c'est une juive. Écoutez ce que la suite va dire. Or, nous savons bien quels seront les résultats d'une telle campagne. Mais sommes-nous prêts à lui faire face? Lorsque la loi du dimanche, chers frères et sœurs, va arriver, est-ce que nous serons prêts? Vous savez qu'à la loi du dimanche, le sort des adventistes seront scellés. À la loi du dimanche, Dieu va laisser encore un temps de grâce pour tous ceux et celles qui n'ont pas entendu cette vérité du sabbat. Mais en réalité, mon sort sera scellé lorsque cette loi sera prise. Avons-nous fidèlement accompli la tâche que Dieu nous a confiée? Avertir le monde du danger qui est devant lui. Maintenant, on peut se dire, que dois-je faire maintenant? On a vu tout à l'heure que la seule méthode qui puisse réussir, c'est celle de Jésus-Christ. La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. Il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien. Leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Et il disait, suivez-moi. C'est ainsi que par des efforts personnels. Moi je dis, il ne faut plus attendre le mouvement de l'Église. Je ne dis pas d'aller contre l'Église. Parce que lorsqu'on propose des projets à l'Église, il y a toujours, ça passe dans le comité et ça prend du temps. Il faut entrer en rapport intime avec les gens. On obtiendrait de meilleurs résultats si l'on passait moins de temps à prêcher et davantage à visiter les familles. Il faut secourir les pauvres, soigner les malades.
Réconforter ceux qui sont dans la peine. Instruire les ignorants. Et conseiller ceux qui manquent d'expérience. Lorsque Jésus reviendra dans Matthieu chapitre 25 dans toute sa gloire, accompagné des myriades d'anges. On sait, les gens ont donné à manger, à boire, des vêtements, ils ont visité les malades, sont allés voir les prisonniers. En réalité, chers frères et sœurs, vous qui êtes ici dans la capitale, vous n'avez pas d'excuses. Jacques chapitre 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction. Et à se préserver des souillures du monde. Il y a tellement d'orphelinats à visiter ici en ville. Il y a des associations de femmes qui sont battues. Vous avez les hôpitaux. Vous avez la prison. Vous avez ceux qui sont malades dans les foyers. On n'a pas d'excuses, chers frères et sœurs. Cet après-midi, à 13h30, je dois être en prison à Papéari. Jusqu'à 16h. 16h30, on doit être à Totira dans 3 foyers pour parler de la maladie cancer. Avec frère Hérémoine. Chers frères et sœurs, il faut faire du bien le jour du sabbat. Arrêtons de rester cloîtrés ici entre 4 murs. Écoutez ce que l'esprit de prophétie va dire. Pourquoi Dieu a institué le sanctuaire en plein dans la nature? L'après-midi, normalement, le sabbat doit être consacré à la famille. On prend le temps avec la famille, on va dans la nature, ce n'est pas interdit tout ça. Leur expliquer que toute cette nature que vous voyez devant vous, c'est Dieu qui est à l'origine de tout ça. Est-ce que pour nos enfants aujourd'hui, le sabbat n'est pas un fardeau? Si. Ils n'ont aucune hâte, c'est le coucher du soleil. Pas que les enfants, même les jeunes, même les adultes. À peine le pourrir a terminé, réunion tatato horahoe. Réunion éclaireur, 15h. 16h, réunion de jeunesse. Et on n'a qu'une seule hâte, c'est que le coucher du soleil se termine. Le sabbat n'est même plus devenu un délice. Et après, quand c'est fini le pourrir, on va rester encore un peu de temps, tatato, réunion administrative. Il y a tellement de tensions dans la tête qu'après la réunion administrative ne se passe pas comme il faut. Il faut qu'on se réforme dans l'adoration du sabbat, chers frères et sœurs. Ça ne va pas être facile, mais rien n'est impossible à Dieu. Donc la méthode de Jésus, il se mêlait aux gens pour leur faire du bien. Leur témoignant sa sympathie. Les soulageant, gagnant leur confiance. Et il disait, suivez-moi. Supprimez la pauvreté et vous n'aurez aucun moyen de comprendre la miséricorde et l'amour de Dieu.
I te hamaura, i te prau no te veve, ai te atu fanhora, e marwa mai te tate te maite, e te here o te atu. Aucun moyen pour connaître la compassion et la tendresse du Père Céleste. Ai te roho e fanhora, i te here, e te here o te mitu e te aura. Aujourd'hui, Dieu a créé des riches et des pauvres. Te mhana, te vera te whea taua e te whea veve. Lorsque les riches crient à Dieu, non, lorsque les pauvres crient à Dieu, ce sont les riches qui viennent les aider. Faites d'abord face aux besoins matériels des malheureux. Subvenez à leur détresse physique et morale et vous trouverez alors la voie pour accéder facilement à leur cœur où vous pouvez jeter la bonne semence de la vertu et de la religion. Fa ere i te mau autara, i te pētino, i te pēmorare, i te he o te te ea, mea ohia i a whaauatu, i te parawatea. C'est ça la méthode de Jésus-Christ. Te rāt whanhora i tu mitu. Quelqu'un a besoin d'un lit, tu ne vas pas aller lui présenter l'évangile. Me te peu e hinarumara te oet adei te oet, i te oet afe tu i te bibiria. Quelqu'un a besoin de nourriture, tu ne vas pas lui donner l'évangile. Il veut d'avoir de la nourriture physique. Te hinarunei te oet afe tu i te oet afe tu i te parawatea. Et lorsqu'on va faire la méthode de Jésus, leurs cœurs seront ouverts à l'évangile. Je vais aller plus vite parce que c'est le même principe que je vais expliquer là. L'œuvre d'assistance chez les nécessiteux est l'œuvre même que toute l'Église qui croit à la vérité destinée à notre époque devrait pratiquer depuis longtemps. Il y a un souci, chers frères et sœurs, c'est que dans l'Église, il y a beaucoup de départements. Service communautaire, hapono oeta ou service communautaire. Hapono adua te tauturura e tana whanora. En réalité, chers frères et sœurs, on doit tous collaborer ensemble. Vous savez, chers frères et sœurs, lorsqu'il y a eu les catastrophes naturelles il y a 2 ans, je venais juste d'être nommé à la mission. Vous imaginez, on vous nomme et en plein fouet dans l'action. Obligé de prendre des congés. L'année dernière, pareil. Toujours la même période, obligé de prendre des congés. Je ne vais pas vous cacher, je suis bientôt parti dans les îles, mais je n'ai plus de congés, je suis obligé de prendre du sans solde. J'aime tellement mon Dieu que je me prive de mon salaire pour pouvoir aller prier, pour aller évangéliser là-bas. L'année prochaine, je me suis engagé de janvier à décembre de prendre une semaine par mois quand j'ai son sol, aller dans les îles prêcher. Et après, président va me dire, quitte ton travail. Et j'ai dit, j'ai pas encore la foi d'Abraham Harimaruno. Parce qu'il y a les tarhous à la banque qu'il faut rembourser. Mais pour vous dire, chers frères et sœurs, quand on est touché par l'amour de Dieu, il n'y a plus de limite. Chers frères et sœurs, le service communautaire, c'est l'Église que Dieu suscite. Peut-être vous n'allez pas être d'accord par rapport à ce que je vais dire maintenant. Quelle a été la méthode de l'Église adventiste en général? On fait des évangélisations. On présente Christ au monde. Les gens sont touchés et ils se baptisent. Il y a un souci, très souvent ils ne restent pas longtemps dans l'église. Ils sortent par la porte arrière de l'église à cause de mon caractère.
Ellen White va dire, si un nouveau converti n'a pas entre 4 et 5 amis, il sortira par la porte arrière de l'église. Sauf ceux qui sont ancrés en Jésus-Christ. Vous savez, juste avant de me baptiser, je me suis séparé de mon ex-copine après 12 ans ensemble. Mais je peux vous dire que c'est la majorité de mes amis du monde qui m'ont dit ne quitte pas ton église parce que tu as beaucoup changé. Il y avait des frères et sœurs qui m'encourageaient, mais on pouvait compter sur les doigts de la main. J'ai envoyé une amie qui s'est baptisée à l'évangélisation de pasteur Jean-Noël à Papéari. À Mataya. Quelques mois après, elle va m'appeler, elle va me dire, est-ce que je peux te rencontrer? Et on se rencontre. Elle ne va pas mâcher ses mots. Elle va dire, tu es un hypocrite. C'est toi qui m'as envoyé à cette évangélisation. À l'évangélisation, tout le monde était sympa. Bonjour ma soeur, assieds-toi là. Et voilà que je suis baptisé, je vais dans l'église, personne ne m'invite à manger dans ton église. J'ai beaucoup de problèmes, personne ne vient me visiter à la maison. Elle va dire, vous êtes des comédiens. Arrêtez de porter le masque. Et moi, je lui ai dit, ma soeur, je te demande pardon au nom de l'église adventiste. Et c'est pas ce que nous faisons, chers frères et sœurs. Lorsque les membres arrivent dans l'église, ça y est, j'ai fait ma part, il est devenu membre adventiste. Ce n'est pas comme ça, chers frères et sœurs. Il y a un grand problème. On sait faire avant, pendant, mais le après, l'Église ne sait pas. Combien de gens ont été baptisés, 200 et quels, et au final, il ne reste que même pas 10 dans tous les 200. Ellen White va dire que Dieu est prêt à envoyer des âmes dans l'Église, mais parce qu'il les retient dehors, parce qu'il voit que l'Église n'est pas prête. C'est à cause de mon caractère, chers frères et sœurs. On va essayer d'aller vite. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 10. Qu'est-ce que la parole de Dieu va nous dire? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Dieu pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On est sauvé uniquement par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi. Mais c'est ma foi qui me pousse à réaliser des bonnes œuvres pour Dieu. Et c'est ce que Ellen White avait dit, lorsque notre cœur est rempli de l'amour du Christ, cela se traduit en quoi? En action. La foi agit par amour et purifie l'âme. Partout où elle existe la foi, les bonnes œuvres font leur apparition. Les malades reçoivent des visites. Les pauvres des soins. Les orphelins et les veuves ne sont pas négligés.
Te feia tomau vaine i tomau tamari otere aiteratu hi ore hia. Ceux qui sont nus sont vêtus, les indigents sont nourris. Voilà ce que je veux expliquer à nous aujourd'hui, les plans d'action. Dans toutes les églises, il y a un service communautaire. Service communautaire, c'est un service que tu rends à la communauté. Construction et rénovation de maisons. On va revenir en détail tout à l'heure. Entretien des maisons et des jardins. Petit potager à la maison. Les actions sociales. Préserver notre nature. Donner des cours de cuisine. Les activités missionnaires. Les activités missionnaires médicales. Construction et rénovation de maisons. Chers frères et sœurs, avant que Jésus revienne, il y aura tellement de catastrophes naturelles. On voit qu'aujourd'hui le gouvernement attribue des aides aux familles. Et c'est là que l'église adventiste peut venir en aide aux familles. Dans toutes nos églises il y a au moins un tamuta, c'est certain. Dans toutes nos églises il y a au moins des électriciens, des plombiers, des carreleurs. Et c'est là qu'on peut intervenir. Vous savez, chers frères et sœurs, il y a des membres adventistes qui ne fréquentaient plus l'église depuis longtemps, mais lorsqu'ils ont participé à tout ça, ils sont revenus à l'église. Parce qu'ils ont entendu qu'on avait besoin d'un électricien ou d'un carreleur. Et au-dedans d'eux, même s'ils ont quitté l'église, il y a encore cette petite flamme pour Jésus. On peut améliorer l'habitat, douche, WC, chambre. Réaliser des divers travaux. Repeindre la maison. Voici ce qu'un ancien de l'église de Paé avait dit. Il va dire, on est allé dans un quartier distribuer des brochures pour notre évangélisation. Mais dans tout le quartier, il n'y avait que des mormons. En train de nettoyer le caniveau. En train de passer la débroussailleuse. En train de repeindre. En train d'aider les malades. Et l'ancien, il va déchirer les brochures. Il va dire, pourquoi on va inviter à venir écouter Jésus? Voilà ce que Jésus est en train de faire. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Lorsque vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Le grand défaut de l'église adventiste, on aime bien d'abord présenter l'évangile. Non. Il faut faire la méthode de Jésus. Se mêler d'abord avec eux. Gagner leur sympathie. Leur faire du bien. Entretien des jardins et des maisons. Pendant que les femmes et les jeunes filles font le ménage et préparent à manger, les hommes et les jeunes ils peuvent jardiner et puis élaguer des arbres.
Certaines églises où ce message est passé, ils sont déjà en train de mettre en application. Je suis allé à Nuku'hiwa pour présenter ce message. Ça fait déjà des mois qu'ils sont déjà en train de faire ça. On est en retard ici à Tahiti parce qu'on aime le confort. Petit potager à la maison. Apprendre aux gens à planter. Et réaliser des visites de courtoisie. Les expliquer plantation hors sol ou en sol. Information sur une plantation naturelle. Chez nous à l'église, il y a un jeune qui s'appelle Manari. Il est venu sabbat dernier ici à Aroué. Je lui ai dit, mon frère, n'arrête pas ce que Dieu t'a demandé de faire. Il a cette main verte. Concombre, tomate, oignon vert, toutes sortes de légumes. Patates douces, etc. Il a dit, je veux aller au comité à Bora Bora. Donc j'ai mis sur Facebook et aujourd'hui il a plus d'un post en Apu. Et il a tellement ce don, il va dire, mon frère, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, va avec ce don-là, va dans les foyers pour dire, est-ce que je peux faire un Apu pour vous? Chacun peut aller avec le talent que Dieu lui a confié. Action sociale. On peut donner à manger et à boire. On peut recueillir un étranger. On peut donner des vêtements. C'est Matthieu 25:35-39. On peut offrir des cartables et des fournitures scolaires. On peut tout faire, chers frères et sœurs. Mais les gens de mauvais esprit vont dire, non, la commune fait déjà. La commune de Aroué a fait une opération cartable. 30 jeunes, ils ont pu aider. Est-ce qu'il n'y a que 30 jeunes ici à Aroué? Même dans nos églises, il y en a qui n'ont pas les moyens. On peut prendre un autostoppeur. Très souvent, un autostoppeur, c'est Jésus qui est à travers cet autostoppeur. Un jour, Jean-Noël était en évangélisation, je filais en voiture parce que j'étais en retard. Il y avait un jeune qui était en train de faire autostop, plein de tatouages sur le corps. Et dans ma tête, je me suis dit, je suis en retard, je ne veux pas m'arrêter. Et voilà que je m'arrête, mais quand je vais m'arrêter, il va siffler, toute la famille va venir dans la voiture. Et c'est là que les mauvaises pensées arrivent. Parce que je venais d'aspirer ma voiture et de nettoyer ma voiture. Mais de travaux à Fa'a'a, il m'a parlé que de Jésus. C'est quelqu'un qui vient de sortir de Nutania. On regarde ce qui frappe à l'œil. Mais Dieu regarde au cœur. Très souvent, on est adventiste quand on voit un autostoppeur, on regarde ailleurs. On peut aider une personne à trouver un emploi. Je suis président d'une association de jeunes. Plus de 25 jeunes, on a aidé en contrat CPA et CAE pour avoir du travail. Beaucoup de jeunes ne savent pas lire et écrire. Nous, on peut donner les aider. Aide au devoir. Dans toutes nos églises, on a des instituteurs, des professeurs, des directeurs d'école. Il y a tellement de choses à faire.
On peut conduire des personnes au magasin, à l'hôpital, à la banque, voir un médecin, dentiste, CPS, etc. Va avec la capacité que tu as. Il y a une sœur de Papeno qui a demandé son transfert à Taravao. Elle a dit, ça fait 30 ans que je suis adventiste, mais ça fait 30 ans que je sers Dieu avec des pieds de canard. Aujourd'hui, elle est à la retraite, elle ne fait que ça. Elle est allée à la mairie de travaux pour regarder l'assistance sociale. Elle a demandé à toutes les familles qui n'ont pas de voiture et qui sont pauvres. Et elle fait que ça. Elle est conduite à l'hôpital, au magasin, elle fait que ça. Et aujourd'hui, après des mois de travail, en suivant la méthode de Jésus-Christ, les gens ont dit, pourquoi tu fais ça? Et là, maintenant, elle donne des études bibliques. Préserver notre nature. On peut entretenir des bords de route, on peut entretenir des plages, nos lagons et des randonnées. On dit que Dieu se révèle à travers la nature. Mais les champions à nettoyer les bords de route et les plages, c'est les mormons. Je dis mormons parce que dans ma commune, je vois que les mormons en train de ramasser ça. Et vous comprenez dans Jean chapitre 10 lorsque Jésus va dire j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Et c'est pour ça que cette année on a mis en place au premier semestre et au deuxième semestre pour que l'église aille ramasser les déchets. Moi, je vous dis, n'attendez plus l'ordre de la mission. Il faut que tout ça soit une habitude pour nous maintenant. On peut donner des cours de cuisine, apprendre à choisir les aliments. Apprendre à revenir au régime originel. Apprendre à manger des aliments simples et sains. On peut aller apprendre à chanter et jouer un instrument dans le foyer. On peut visiter les malades. Partager l'école du sabbat. Visiter les prisonniers, c'est encore Matthieu 25. On peut chanter, prier et partager la parole de Dieu dans les foyers. Visiter les veuves, les orphelins, c'est Jacques chapitre 1, verset 27. Rendre visite les membres refroidis, donner des études bibliques. On peut distribuer des livres sur la santé. Même ceux qui aiment le sport peuvent évangéliser avec le sport. Ma soeur, mon frère, viens, on va aller marcher. Colportage. Les soigner avec des remèdes naturels. Donner des séminaires sur la santé. Ceux qui étaient là à l'évangile à Jean-Noël, il y avait le témoignage de la Calédonienne. La Calédonienne qui a témoigné. Elle aime tellement la santé qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas adventistes qui vont marcher avec elle qui fait du sport. Il y a tellement de moyens que Dieu a mis en œuvre, mais nous, on cherche à compliquer les choses. Elle connaît tellement de remèdes sur les plantes naturelles qu'elle va dans les foyers dire, faut pas prendre ça, faut pas prendre ça, prenez ça. Donner des séminaires sur la santé.
C'est ce que votre frère Hermon Arapoto est en train de réaliser aujourd'hui. Je vais juste ouvrir une parenthèse sur ça et j'ai fini. Vous avez dû voir que dans le calendrier de la mission au premier semestre, il y avait santé globale. J'ai envoyé une circulaire pour dire que cette santé globale a été repoussée au deuxième semestre, avant la moisson. On a demandé à Dieu, puisque la santé c'est le bras droit de l'évangile, Seigneur, comment veux-tu qu'on fasse avec notre ministère ? À partir du 22 novembre jusqu'au 4 décembre, toutes les églises de la Polynésie française auront les vidéos de frère Hermon Arapoto. Le CMA est en train de le filmer là-bas. Toutes ces vidéos durent 30 minutes. On a constaté qu'une heure, les gens sont fatigués. Le but, c'est d'envoyer vos amis à la maison pour pouvoir partager ça autour d'une table. C'est plus convivial. Et c'était la méthode de Jésus. Quand il était fatigué, il aimait bien aller dans le foyer de Zachée. Il mangeait, il partageait la parole. Même, mon frère, comment il s'appelle, celui qu'on a... Non, pas Lazare, pardon, c'est pas Zachée, c'est Lazare. Et c'est vrai qu'il a fait de même avec Zachée. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. 30 minutes avec tous vos amis, parce que l'église, même pour la santé, est un frein. Quand ils vont savoir que c'est à l'église adventiste, ils ne viennent pas. Donc voilà ce que nous sommes en train de préparer avec Dieu. Donc, ce plan de travail exige notre temps, notre argent, tout notre être entier, nos talents. Le moment viendra où les observateurs des commandements divins ne pourront ni acheter ni vendre. Hâtez-vous de déterrer vos talents enfouis. Si Dieu vous a confié de l'argent, montrez-vous fidèle à vos responsabilités. Ouvrez votre bourse et envoyez vos talents au banquier afin qu'en revenant, le Christ puisse en recevoir les intérêts. Galates chapitre 6, versets 10 et 12, et on termine sur ça. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point. Et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Je termine sur cette histoire. Ça vous rappelle qui? Pierre et la pêche miraculeuse.
Petero était le meilleur. Qu'est-ce qui s'est passé? Durant toute la nuit, ils ont été, mais ils n'ont rien trouvé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus va arriver. Et qu'est-ce que l'apôtre, et qu'est-ce que Pierre va dire? Simon Pierre va dire: sur ta parole, je jetterai le filet. Qu'en est-il de nous ce matin? Est-ce que vous allez dire comme Pierre: Seigneur, sur ta parole depuis ce matin jusqu'à maintenant, mais vous êtes libre de faire ce que vous voulez, chers frères et sœurs. Et moi, j'ai promis il y a quelques années, il n'y a pas encore ce passage dans la Bible, mais moi, je servirai l'Éternel. Parce que dans la Bible, c'est moi et ma maison. Pour l'instant, il n'y a pas encore ma maison à côté. Il faut avoir une femme, il faut avoir des enfants. Pour l'instant, Dieu ne permet pas. Mais j'ai promis, moi, je servirai l'Éternel. Chers frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Alors que j'étais invité à l'église de Mataya, tous les janvier, il y a les 10 jours de prière. Vous allez voir ma Bible, il y a des couleurs partout. Et ces couleurs, ce n'est pas quand j'ai été baptisé, c'est que je venais de découvrir Jésus-Christ. Vous allez peut-être dire qu'il est orgueilleux, il est fier, ce prédicateur. Vous savez quelle a été ma demande à l'Éternel lorsque j'ai été touché par l'amour de Dieu? Mais je ne savais pas ce que j'ai demandé à Dieu. Sur mes requêtes de prière, j'ai marqué: Seigneur, fais de moi un des plus grands évangélistes de la fin des temps, parce que je veux sauver ma famille, mes amis. Mais je ne savais pas que cette demande allait impliquer des conséquences. J'ai jamais eu autant de problèmes dans ma vie que maintenant. Mais Jésus nous a promis: je suis avec vous tous les jours. Chers frères et sœurs, ça vaut la peine de souffrir pour Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci pour ce pain. Alors, pendant ce temps que la chorale va s'installer, « Oh, es-tu prêt à marcher avec Christ ?» Telle est la louange qui va être interprétée. Donc, je vous laisse le soin d'apprécier cette louange à l'Éternel. Tous ceux qui étaient écrits. C'est vrai, encore aujourd'hui.
partir avec lui. Le temps est presque écoulé. Et n'oubliez pas, oui, n'oubliez pas, et n'oubliez pas, c'est écrit. Alors Jésus reviendra, et avec lui il prendra me tua here te ora. Marururu hei a oe ki tonura mai ta oe ratawini ya Samuel i roto pui matone. O ia mau e parau mai ta ian ei tanai whaahiti mai no matone. No to oe rai oa o iei ti amai iei te epepeine. Tomato me tua te te atoa nei ra oe tongato ne mou a au mi imi nei. Ua maramara mamato i ta oe ra parau. E ua i te mato i te vave mai nei to e hui ra mai. Ai te ra mato i rave e tau ie. To mato me tua te tā parua tu nei te ie pure ia oe. Ia parhei mai to varua i roto pui mato nei. E nā ue e i arata e i tō mātou ni o rara. Te tā mātou ni rā i a oe. Whare i mea tā mātou ni mō tātara hāpātou i whātupuna, i atu atuna. I te omu a i tume tiara. Amenei.